pretty woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Salut à tous, Eric Lego de chez Galago Music pour la suite et fin de Pretty Woman. Alors je tiens à saluer toutes les personnes qui sont venues à la Galago Rencontre numéro 1 du Parc Floral de ce 16 mai 2015. Je me permets de vous diffuser quelques images de cette journée. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus. Hein. C'était, moi, j'ai passé une super après-midi, je trouvais ça formidable de pouvoir vous rencontrer pour de vrai. Hein. C'était un petit peu le but aussi de la manœuvre, même si je l'ai fait de manière un petit peu confidentielle, parce que je suis un peu craintif hein, comme garçon. Donc j'ai prévenu un peu au dernier moment, j'ai laissé les messages que sur Facebook. Voilà, c'était une terrasse de café, je voulais peut-être pas qu'il y ait trop de monde. On a tourné autour d'une bonne trentaine de personnes et c'était déjà très très bien. Donc un grand bonjour à tout le monde, à tous ceux qui étaient là. Et comme on est dans les trucs un peu sympas pour ce tuto, je vais jouer sur cette guitare que l'on m'a prêtée, merci Séverin, qui est une guitare un petit peu particulière. Déjà, elle sonne très bien, ça me plaît beaucoup. Et cette gratte a une petite particularité, c'est qu'elle est dotée d'une grosse vis au niveau du talon. Bon, jusque-là, vous me direz, ouais, okay, d'accord, génial. Qu'est-ce que t'as d'autre à raconter, bonhomme? Eh ben, j'ai raconté que c'est une guitare qui peut se casser en deux. Ah, mon Dieu! Ah, je sais, ça fait très très bizarre la première fois. Vous voyez, il y a un système de grosse accroche comme ça. Donc le mieux, je ne vais pas vous en parler maintenant, parce que là, c'est l'heure du tuto. Je vais la remettre. Et je la revisse. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, je vais faire une mini-review là-dessus, parce que c'est vraiment super cool. Une guitare de voyage, c'est chouette, j'avais jamais vu ça. Et voilà, donc si vous le souhaitez, vous suivez ce lien-là, qui vous permettra d'accéder à la petite Galago Review. Voilà, en attendant, on attaque Pretty Woman tout de suite. Alors, je vous montre les accords qui sont joués au moment où Roy Orbison commence à chanter. Vous pouvez les télécharger directement, si vous le souhaitez, la partage sur galagomusic.com. Comme ça, vous pouvez peut-être vous épargner cette étape qui ne vous intéresse peut-être pas, mais qui sait. Je vous la montre quand même. Nous allons commencer par un accord de La majeur. Donc, La majeur, c'est 2-2-2 des cordes de Ré, Sol et Si. Moi, perso, j'ai du mal à placer les trois doigts comme ça. J'ai toujours... pris l'habitude de faire un espèce de petit pâté comme ça. C'est comme une position de Ré majeur que je mettrais en deuxième case. Voilà, donc c'est très personnel. Si vous me voyez me faire cette position là, c'est le La majeur, d'accord. Ensuite, nous aurons un Fa dièse mineur. Vous barrez en deuxième case avec l'index, vous double barrez avec le majeur par dessus si vous le souhaitez, et avec annulaire et petit doigt, vous appuyez sur quatrième case et quatrième case des cordes de La et Ré. Très très joli. Ensuite, un accord de Ré majeur, un petit triangle qui se placerait comme ça. Deuxième case du petit mi, troisième case du si, deuxième case du sol. Le pouce par-dessus le gros mi. Nous aurons ensuite un accord de mi majeur comme ça. Deuxième case des cordes de La et Ré avec majeur et annulaire. Et index en première case de la corde de sol. Voilà. Ensuite, nous aurons dans la partie B un accord de Ré mineur. Index première case du petit mi, à la troisième case de la corde de si, vous mettez soit le petit doigt, soit l'annulaire, comme vous voulez. Moi, je sais pas ce que je fais, je change en cours de route, ça dépend. Et majeur en deuxième case de la corde de sol. Vous placez le pouce par-dessus le gros mi, et vous aurez votre Ré mineur. Ensuite, on fera un accord de sol septième. Vous conservez l'index là où il est en première case du petit mi, et vous balancez le majeur, l'annulaire en le majeur en deuxième case de la corde de la, l'annulaire en troisième case de la corde du gros mi. Ensuite, nous aurons un Do majeur, comme ça, troisième case de la corde de La avec l'annulaire, deuxième case de la corde de Ré avec le majeur, le Sol à vide, et index en première case de la corde de Si. Après La mineur, deux doigts en commun avec l'accord précédent. Hop là. Donc sur le Do, pareil, vous bloquez le gros mi avec le pouce. Sur le La mineur, vous donc poussez un tout petit peu le majeur vers la gauche dans la case, afin de laisser la place à l'annulaire de se placer en deuxième case de la corde de Sol, qui était précédemment jouée à vide.
Et voilà, c'est quasiment fini. Nous aurons ensuite un accord de la septième. Vous mettez le majeur en deuxième case de la corde de ré, le sol à vide, qui est la septième, et deuxième case de la corde de si. Le gros mi est bloqué. Et il me semble que nous avons fait le tour des accords, voilà. Alors, pour cette version acoustique du morceau, on peut utiliser un schéma qui est très très courant, qui donnerait ça à la main droite, bas, bas, haut, haut, bas, haut. Le but du jeu dans toutes vos rythmiques, hein, c'est d'essayer, la plupart du temps, de ne jamais arrêter vos allers-retours. Comme ça, vous choisissez ce que vous grattez, ce que vous ne grattez pas. Vous sculptez comme ça les coups vers le bas ou les coups vers le haut, entendu ou non. Là, dans le cas de figure, ça va donner bas, bas, haut, haut, bas, haut. Fin de la rythmique. Et le prochain coup vers le bas, c'est le retour du premier temps. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. Et je recommence, bas, bas, haut, haut, bas, haut. Car sur le dernier retour de cette rythmique, sur le bas, bas, haut, haut, bas, haut, à cet endroit-là, je vais l'appeler hop, parce que c'est l'endroit où généralement on enlèvera tous les doigts de la main gauche pour passer vers la corde après, sauf 6 doigts en commun. Si vous suivez les vidéos Galago depuis un moment, je pense que vous devez être saoulé de mes petits conseils comme ça. Néanmoins, à ceux qui découvrent mes vidéos, bienvenue déjà. Et puis, je pense que ce genre de conseil pourra vous servir. Donc, pour commencer, la partie A du morceau. Une mesure de la majeure, une mesure de fa dièse mineur, une mesure de la majeure, une mesure de fa dièse mineur. Nous aurons fait la première ligne du A. Ba, ba, ho, ho, ba, hop, le voilà le hop. Et ba, ba, ho, ho, ba, hop. Ba, ba, ho, ho, ba, hop. Hop. Je fais exprès plein de fois d'affilée. Hein. Ok. Donc, si vous suivez la partition, sur la deuxième ligne, nous allons avoir une mesure complète de Ré majeur, suivie d'une petite mesure de Ré majeur à deux temps. Donc, on va faire une mesure normale. Ba, ba, ho, ho, ba, ho. Et sur la mesure d'après, on va juste faire deux coups vers le bas. Ba, ba. Ce qui va donner ba, ba, ho, ho, ba, ho, ba, ba. Et après, on va attaquer le Mi majeur avec la rythmique normale. Ba, ba, ho, ho, ba, ho. Et là, on a fait les deux premières lignes du morceau. Arrivé sur ce mi, vous allez être tranquille parce qu'il va durer encore 2, 4, 6 mesures complètes. Je vous refais toutes maintenant la partie du A. 3, 1, 4. Avec les paroles éventuellement. Pretty woman walking down the street. Paroles, on a encore donc 4 mesures de mi. Si vous êtes tout seul, vous rebalancerez sur ces 4 mesures le grand riff 4 fois avant de reprendre la partie du A. Si vous êtes deux, bah, y en a un qui fera 4 mesures encore complètes de mi en accompagnement, et par-dessus ça, l'autre gars. Et les deux guitares vont vraiment, vraiment bien se superposer. Donc je vous fais toute la partie A et je chante le riff sur les 4 dernières mesures du A. 3, 4, ba, ba, ho, ho, ba, 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 ho, ba, 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 ho, ba, ba. La deuxième ligne, ba, ba, ho, ho, ba, ho. 1, 2, ba, ba, ho, ho, ba, ho, ba. Now one can turn. Deuxième A, tout pareil. Voilà, vous savez faire un bon tiers du morceau. La partie B, nous allons commencer par un accord de Ré mineur, suivi d'un Sol 7, puis d'un Do majeur et d'un La mineur. Je vous le fais avec la rythmique. Tout à l'heure, je vous ai dit que le hop, on enlevait tous les doigts, sauf 6 doigts en commun. C'est le cas, par exemple, entre Ré mineur et Sol 7. C'est-à-dire,
entre le ré mineur et celui-ci, on a l'index qui ne bouge pas. Donc dans ce cas-là, vous enlevez les doigts qui ne sont pas en commun, genre pa, pa, o, o, pa, hop. Voilà, vous n'êtes pas obligé, quand vous faites les retours, on m'a souvent posé cette question, vous n'êtes pas obligé de tout gratter jusqu'à l'aigu. Hein. Ce qui compte, c'est d'avoir une petite sonorité aiguë sur les 3-4 cordes du haut, et ça fera très bien l'affaire. Donc, pa, pa, o, o, pa, hop. Ensuite, sol. Là, il n'y a pas de doigt en commun, j'enlève tout. Hop, entre sol, 7 et do, il y a donc pas de doigt en commun. Pa. En revanche, entre do majeur et la mineur, il y a deux doigts en commun, c'est le majeur et l'index. Donc sur le hop, on va juste enlever l'annulaire et bam, attaquer le la mineur juste derrière. Voilà, je vous fais donc la première ligne du B, j'enchaîne sur la deuxième. Ba, ba, o, o, ba, hop. Ba, ba, o, o, ba, j'enlève tout, hop. Ba, ba, o, o, ba, hop. Ba, o, deuxième ligne du B, ré mineur. Do majeur, pas comme le truc d'avant, mais par contre deux fois de suite le Do. Ok, je vous refais donc ce B en entier, et après nous attaquerons le B'. Et on aura quasiment fini. B. Je reprends le B. Et ce coup-là, on va se diriger vers le B'. Donc au lieu de faire deux Do d'affilée, on fera un Do majeur comme je viens de jouer, suivi d'un La septième. La septième, on a un Do en commun, c'est le majeur. Donc Ma. Et là on est sur le B'. Donc je vous attaque directement le La septième et je vous déroule toute la fin du B'. Fa dièse mineur, hop. Ré mineur très joli. Oui, oui. Le Mi majeur. Ok, donc La sept, Fa dièse mineur, Ré mineur, Mi majeur. Je vous refais ça, le début du B' et je vous enquille toute la fin. La sept, pardon. Deuxième ligne du B', La majeur à nouveau, Fa dièse mineur, et le Ré mineur que je trouve super chouette. Bring me tonight. Et on retrouve le Mi majeur 4 mesures, et sur ce Mi majeur, il y en a un donc comme tout à l'heure qui fera la rythmique, pendant que la deuxième guitare va faire le riff, le grand riff. Je vous refais tout le B'. Et puis après, je suis quasi fini. Il y a une petite fin différente à la fin du A qui revient. Nous allons même l'appeler A'. Donc B', puis A'. 3, 4, La 7. Ré mineur. Hop, Mi. La majeure. Fa dièse mineur. Faites gaffe ici, parce qu'une fois que vous avez fait le Ré majeur normal plus le Ré majeur à deux temps, celui qui fait deux coups vers le bas, on aura 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 mesures de Mi. 2, je vous fais plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à la fin de la 11e fois, 11... On attaquera comme ça, en fait c'est la batterie qui fait ça, on a un break total de tous les instruments, sauf la batterie. Donc arrivé à la fin de la 11e mesure, je vous fais la 11e mesure, puis le break de batterie. 1, 2, 3, 4, 5,
là je bloque à la main gauche afin de plus avoir de son. Et donc je vais enquiller 3 coups plus 4. Donc la 11e mesure. Bravo, bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dès que vous avez fait ça, on refera comme l'intro, c'est-à-dire 2, 3, 4. 2, 3, 4. Donc arrivé à la fin du break, on réattaquera comme l'intro, c'est-à-dire le petit riff. 3, 4. Deuxième fois, le petit riff. Et là, ce qui va changer, c'est que le long riff qui suit, au lieu de l'avoir que 4 fois, on l'aura 9 fois. 1, 2, 3, premier ellipse, 7, 8, 9, pretty woman, fin. Ok, donc dès que vous avez fait 9 fois le long riff à la fin, vous terminerez par le la majeur gratté 2 fois vers le bas, pretty woman, sur les syllabes de woman. Voilà. Je fais maintenant une fois en entier pour que vous ayez un aperçu de l'ensemble. Ça donnerait ça. Intro. Deuxième fois. Trois. Le grand riff. 4 fois. 2. 3. 4. Pretty woman. Le A. Walking down the street. Pretty woman. The kind I like to meet. Le Ré majeur. Pretty woman. Et normalement on referait tout le A une deuxième fois. La partie B. Deuxième do. Et on refait le B. Faire un La7 et pourquoi la rendre sur le B pris. Oh, le crooner. J'invente les paroles vraiment. Et là, pareil, sur le Mi qui est joué 4 fois, on a le grand riff par-dessus. Et on reprend le A. Ça s'avère être le A prime en fait avec la fin qui change, donc A prime. Pretty woman. Le coup duré. 1, 2. Et les 11 fois du Mi. Troisième fois. Quatrième fois, pareil, re-ellipse. Dixième fois. Oh là là, nous avons voyagé dans le temps. Onzième fois. Le petit riff. 3, 4. 3. Et le long riff, 9 fois. 2. 3. Warp zone. 8. 9. Fin. Bon, j'espère que c'était clair, que j'ai pas été trop vite, que la vidéo pas trop longue, comme d'hab et tout ça. En tous les cas, c'était un vrai plaisir de jouer sur cette guitare. Ça s'appelle Voyage Air Guitar, c'est la marque. C'est tout nouveau en France, ça vient de sortir. Je vous invite vraiment à aller consulter la petite review que j'ai fait, au moins pour la découverte et la curiosité de l'objet. Voilà, et bah écoutez, merci beaucoup. Une petite vidéo un peu plus grande sera faite concernant la Galago sortie du parc floral là, du 16 mai 2015. Voilà, et qui sera disponible sur YouTube dès que le montage aura été bouclé. Voilà, bonne musique à tous, à très bientôt. Ciao.